Qui l'aurait cru? L'honorable Ndanga Donald Devi est un jeune atypique de la région de l'Est du Cameroun et un pur produit de l'EFA de Tripano dans la ville de Batouri. À la sortie de l'EFA en 2013, il n'a reçu de ses parents que de la semence, une machette, une lime et une petite parcelle de terrain comme capital. Il a utilisé la force de ses bras pour réaliser son tout premier champ de haricots, maïs, arachides et c'était parti. Les revenus de ses premières activités agricoles lui ont permis de louer 1 hectare de terrain pour agrandir son exploitation. À ce jour, Ndanga Donald est propriétaire de 15 hectares de terrain en pleine forêt tropicale qu'il met progressivement en valeur. Ambitieux, Donald a créé un GIC qui excelle dans la culture du maïs. À travers celui-ci, lui et ses membres viennent de recevoir une égrineuse, un semoir et des engrais comme prix d'encouragement. On peut donc aisément comprendre pourquoi Donald Devi est aujourd'hui le député jeune de l'Acadie qui fréquente fièrement l'hémicycle et les hommes de pouvoir de ce pays et fait la fierté de toutes les EFA. Mais au-delà de ses succès, il reste toutefois nécessaire de noter que si ce jeune fait des merveilles par sa simple volonté, il a besoin du soutien de tous et de chacun pour persévérer et développer ses activités. C'est donc un vibrant appel qu'il lance à l'endroit des communautés et des organisations gouvernementales et non gouvernementales.